Bonsoir. Salut toi. Alors, ah, ça commence bien, ça marche pas. Commence bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toum-toum. Ah, ça y est. Ça y est. Alors, je suis connecté, non? Il refait des siennes. Il y a ras-le-bol, ce boîtier. Voilà. On va couper ça, hop. Go! Poursuivre. Alors, Seattle Center. On va continuer la mission principale, hein. Tranquillou. À toute berzingue. Le prix de la Redemption. Passez la ville au pas une fin pour trouver où Shane retient votre frère. Ah oui, c'est vrai. Shane veut montrer qu'il prend la suite des Akula en enfermant les fauteurs de troupes dans des conteneurs. Mon frère est dans le lot? Ouais, mais je sais pas dans lequel il est. Il y en a quatre et ils sont gardés. Une fois que t'auras commencé à les ouvrir, t'auras que quelques minutes avant que Shane ne le sache. Je ferai vite alors. Merci. Le premier est proche. Conteneur d'expédition. Voilà, c'est maîtrisé. Tutto bene, tutto bene.
Dépêche-toi. Rapidement au conteneur d'expédition. Shane harcèle ses hommes pour qu'ils le tiennent informés. Ils sont censés faire un rapport par minute, alors ne traîne pas. Si je me fais prendre, il va se demander comment j'ai su pour les contenus. Il fera le lien avec toi. Je serai déjà loin. Je t'aide sur ce coup et je pars la conscience tranquille. La conscience tranquille? Qu'est-ce que t'as fait? Fais-moi un coup sur une plage loin de tout ça et je te raconterai. Ça marche. Pas que c'était chronométré, moi. 14 secondes. Jenny, c'est quoi toutes ces voitures de flics? Ça grouille par ici. La police a doublé les patrouilles depuis que t'as rasé la base CUP. C'est l'ennemi public numéro 1. Ah oui, à chaque fois que je prends un truc, je prends des secondes en plus. Ah, c'est cool. Faut que tu sois dans le prochain. Vide aussi. Passe au suivant. Allez. Hey, salut Fetch. Qu'est-ce que tu deviens, ma belle? Je suis un peu occupée là. Hey, ça a l'air excité. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je peux pas t'en vouloir. À moins que tu refasses une de ces crises de panique, c'est ça? Tu vas te rouler en boule et rester planqué dans un coin. J'ai les flics aux fesses. Je te laisse. J'ai pas le temps pour ça. Ah, encore vide. Il y a personne ici. Je sais pas. Il en reste qu'un. Il est forcément là. J'ai piraté l'ordinateur de Shane pour savoir où il retenait Brent, ok? Je prends de gros risques pour toi. Alors vite, va le chercher. Merde. Jenny, c'est vide. C'était un piège. It's a trap. Jenny? J'ai bien peur que Jenny soit indisponible pour l'instant. Ah, merde. Tu pensais pouvoir détruire ces drones de police sans que je m'en rende compte? Jenny était la seule au courant pour ce deal. Il fallait bien que je sache si elle était encore de mon côté. C'est moi la responsable pour tout ça. Te fatigue pas, c'est elle le cerveau. T'es qu'un pistolet laser aux cheveux roses. Passe-la moi. Retard, elle est déjà dehors. Ceci dit, en dépêchant.
cherchant un peu, tu pourras peut-être la rattraper. Ah là là. Le signal du téléphone du Jenny. Aïe 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 aïe. Tu sais quoi? Retrouve-moi au sommet de la tour de Pionnier. Il y a des flics. Le disque dur pour l'Xbox. Ah, j'espère que c'est ça. On testera ça après. Ça a l'air d'être le même en tout cas. Cette chose. Hop. Nice. On va repérer. Et Deschain a renforcé son emprise sur Seattle.
Shane, je suis là. Désolé, ma belle. J'ai été distrait. Sors ton portable, tu verras. Le flic que j'ai soudoyé m'a enfin donné accès à leur caméra. Tu regardes un flux vidéo en direct. Et alors ? C'est juste des flics ? Oui, des flics chargés de protéger le commissaire. Un homme que je suis très pressé de rencontrer. Mais pour ça, il va falloir se débarrasser de son escorte. Je vais pas descendre tous ces types juste pour que t'aies ta réunion. Je vais faire diversion. Je ferai du boucan pour les obliger à sortir voir. Comme tu le sens, Trésor. Si cette réunion se passe comme je l'espère, je prendrai le contrôle de Seattle pour les années à venir. Et ton frère et toi, vous pourrez filer. Du boucan, c'est parti. Pistolet laser sous le coude, ouais. Je suis allé trop loin. Merde. Trop tard.
savoir ce qu'il veut. Ah ouais? Où est mon frère? Il est dans un bâtiment à trois pâtés de maison d'ici. Je te laisse t'en charger. Et c'est tout? T'as entendu le commissaire? Tu quittes la ville et je suis un homme riche. Et tout le monde est content. Je pense qu'il sera pas trop vivant. M'étonnerait qu'il soit vivant quand même. Monter la panique. Je me concentrais sur Brent. C'était la seule chose qui pouvait me calmer. Je me raccrochais à un bon souvenir. Brent savait que si on quittait pas la ville, je m'en sortirais jamais. Il s'est mis à prendre des risques pour se faire du fric. Il voulait acheter un bateau et passer au Canada. Je lui ai dit que c'était dingue. Mais quand je l'ai vu rentrer avec des dents au moins, je me suis reprise. J'ai voulu raccrocher. Il m'a soutenue pendant ce calvaire. Je lui dois tout. C'est mon frère. Je l'aime. Et rien ne pouvait m'arrêter. Shane avait Brent. Sans un accord, trahi. Comment je pouvais le récupérer? Comment avez-vous pu vous échapper du tunnel? Auriez-vous développé un autre pouvoir suite à votre crise de panique? Oui, oui, je vous ai fait des cachotteries. Encore. Ok, je vais vous le montrer. Amenez-moi quelques types. Ok. Il y aurait un barrage sur les missiles lumineux. Les missiles guidés à infrarouge. Ah, je veux bien. Si je fais pas la bonne touche, ça va pas le faire. Impressionnant. Mais pourquoi me montrer ça maintenant? Cet entraînement, il fonctionne. Je me sens bien.
Donnez-moi un truc plus costaud. Plus costaud. Ok, mademoiselle. Suivez les lignes jaunes. Restez au milieu du hall. Vous semblez avoir quelques démons personnels. Le porteur qui crée les hologrammes de combat est obnubilé par un jeu vidéo sur les démons. Je n'aime pas trop l'esthétique, mais leur potentiel formateur est indéniable. Ils vous pousseront dans vos retranchements. Premier cauchemar en battant 20 démons. Vague 1 en approche. Ah, j'ai plus de missiles. Faut que j'aille où? Vingt ennemis parasites, tiens. Concentrez-vous, Abigail. Étudiez l'adversaire, et son point faible vous apparaîtra clairement. Ces créatures n'existent pas, mais la satisfaction que vous ressentez en les tuant est bien réelle. Pensez à Shane, canalisez votre haine pour gagner en puissance. Pas une mouche, du vent. Excellent, tuez-les tous. La nature vous a doté de ses pouvoirs. Ne reniez pas qui vous êtes. 50 terreurs nocturnes.
contrôler votre environnement. Nous sommes des porteurs. Le monde se plie à notre volonté. Ouais, il y en a un paquet là-bas là. Vous y avez pris du plaisir, semble-t-il. Laissez-vous porter et libérer votre potentiel. Quoi ? Survie de la reine Gamma. Vous réalisez de quoi vous êtes capable. Les porteurs qui peuvent tourner le dos à leur passé ont bel et bien un avenir. Alors dites-moi comment se termine votre récit. Pas très très bien. Shane voulait ma peau. J'étais au pied du mur. Je devais attaquer de front. Le hic, c'est que je savais pas où étaient Shane et Brent. Elle est morte ? J'espère que oui. Tire-lui encore un peu dessus. Tu sais, juste pour être sûr. Où est Brent ? Ce type va venir par se parler. Oh, un casque. Et pile à ma taille. Convoi 3, aucun signe de Walker ? Non, Shane a assuré. Avec tout le matos dans les camions, elle nous trouvera jamais. Shane rappliquera illico si je brûle la drogue dans les camions. Y a plus qu'à les trouver. Ça va m'aider. L'antenne relais. Vous n'avez pas réussi à rester dans l'arène de mission. Ah, d'accord. Ça va m'aider. Oh, sympa. Faites attention. Aucun problème de ton côté ? Bien parano. Sympa.
éclate de discuter. Tu veux parler par la tête droite. Ça coupe pas. Jimmy, allez, mec. Réponds-nous. Et si... Bye, chérie. Attends, raccroche pas. Oh, les molotov. Ouais. C'est qui? Écoute, sale garce, tu détruis encore un camion et Brent te perd une main. Compris? T'as pas intérêt. Non? Teste-moi. Qu'est-ce que tu crois? Sans lui, t'as aucune, absolument aucune protection de ma part. Tu peux pas te permettre qu'il ait le moindre rhume. Continue à détruire ma propriété et tu le regretteras. Elle est passée en mode vénère là. Je pense que j'aurais besoin d'une autre antenne. Ouais, pile poil que ce que j'ai besoin. Allez, c'est juste une fille! Une fille! Envoie-nous cette carte, on va s'en occuper. Ils sont loin. Ok, le feu déteste l'eau. Qu'est-ce qu'on peut détester le néon? On se fait attaquer. Dites-moi où elle est. C'est la fille néon. C'est la fille néon. Faites gaffe au néon. Oh, pas mal.
Ça me plaît bien ce petit scénar là. Oh, j'ai récupéré un Lumen, tiens. Elle fait des kamehameha. Bonjour, j'ai besoin de drogue. Oh mince, t'en as plus. Le DLP te traque, ils savent que t'en as après ma cargaison. T'as plus qu'à fuir. Ils aimeraient sûrement savoir ce que contient ta cargaison. Il me semble que c'est un crime fédéral. Ils s'en foutent de moi. Ce qui les intéresse, ce sont les monstres. Ouais, je suis sûr qu'ils changeront d'avis quand ils auront ce qu'ils veulent. Allô ? Coucou. Les gars ? Il y a des camions là-bas ? J'arrive. On balance tout.
On va essayer de faire ça. Hein. Je peux pas le prendre. Je ne peux pas le prendre. Dernier camion. Oh, pas mal. Un petit screen. Shane t'a appelé tes camions? Quelqu'un a répondu? Ton gang se réduit. Si on peut encore parler de gang avec une seule personne. Chercher, je te jure sur la tombe de ma mère, je vais exploser ton cerveau de néon sur tous les murs. On va aller voir ce qu'il nous veut. Ouais, je pense que c'est bientôt le nettoyage là. Défi rempli. Pluie diluvienne. Oh, j'adore. Je kiffe.
Ça a drogué l'enfoiré. Ouvrez le feu ! Shane ! Montre-toi ! Tu crois que la drogue m'empêchera de retrouver Brent ? Tu magouilles avec le DUP ? Pas très malin, Shane. Cette fille, ta colère te fait perdre le contrôle. Ton père a raison. C'est pour ton bien. Appeler le DUP, me balancer parce que je posais problème. Maman, pose ce téléphone. Tu peux pas lui faire ça. C'est ta fille. J'étais qu'une gamine. Ne pleure pas, Abigail. Le DUP va tout arranger. Elle nous l'a promis. Où est-elle ? Faites court ! Il faut qu'on se tire d'ici ! Je ne ferai pas avoir. Ah, je vous prends tous. Un par un. Tu peux pas piquer ce que tu veux. C'est pas ce que tu crois. Dis-moi, on t'a planqué ma casse. Non. Désolée, j'étais perdue, je voyais des choses, c'est Shane, il m'a forcé. C'est rien, c'est pas ta faute. Non, non, je t'en prie, j'y arriverai pas toute seule. Fait. Je suis désolée. Mais attendez pas celle-là. Que mes hommes vous ont trouvé. C'est Shane qui a pris votre frère. C'est lui qui vous a poussé hors de vos limites. Si vous le pouviez, vous le tueriez ? Faites-le. Au service trésorier, cette bonne femme que je suis un vrai patriote. Normal, à 100%. Je connaissais votre histoire. Oh, le scout. Mais je devais vous la faire revivre, pour vous ramener à l'instant où vous avez basculé. Bordel, je suis pas un de ces monstres. Je
Mode vénère activé. Il est pas mort. De la neige. On a plus nos pouvoirs. Ouais, ça craint un peu là. Heureusement qu'elles sont en jaune les échelles, je les aurais pas vues. Poursuite du VBTT 13, mais aucun signe de Walker. Bien sûr. Envoi de drone pour aider les recherches. Ah merde. Attention. Oh fuck. C'est pas cool. Avec un petit drone en plus. Il avait du néon dessus, non? Jamais je peux recharger un petit coup de... Du coup les pouvoirs. Oh, il y a du people là-bas. Il y a du people là-bas.
Shane. Oh, c'est tellement badass. Je peux pas monter. Full life. Contrôle Delta et HS, se répète. Delta et HS, aucun signe de Walker. Contrôle, nous poursuivons la cible sur la 104e. Montez le barrage et coincez-le. Utilisez la force seulement si nécessaire. Bien reçu. Y a pas moyen de booster mes... booster mes pouvoirs là, sur les roquettes. Ah merde, je peux pas. Pas assez de points. Walker vu au sud du carrefour de la 104e. Contenez-la, les renforts arrivent à votre position. Y a pas moyen de regarder les défis, ouais. Vraiment des défis. Ah oui, j'ai les défis du mode histoire. En étant en l'air. Walker vu au sud du carrefour de la 104e. Contenez-la, les renforts.
Hey, salut Vilo. Comment ça va? Tranquille, j'ai acheté les deux Infamous sur PS3 tout à l'heure. Ah nice, tu vas kiffer. Je te jure, tu vas kiffer. Je t'ai donné envie. Putain, je suis influenceur maintenant. Oh, c'est bon ça. Et c'est ça. Tu les avais déjà fait les autres, First Light et Second Sun. Jamais fait la licence, ah bah pareil. Je l'ai découverte cette année. Tu la commences quand du coup? J'espère que tu vas faire ça en stream. Très cool. Et via Vinted. J'ai vu des trucs sympas sur Vinted aussi sur aujourd'hui, mais j'ai pas acheté. Tu les as commandés tout à l'heure. Ouais, donc ça va arriver. ça va arriver en point relais. Ça. Je sais pas. Ouais, je sais pas comment ça marche en Belgique. T'as acheté en France ou en Belgique? De France, ouais, je pense une dizaine de jours. Après, ça dépend quel mode de livraison t'as pris. Dans 2 semaines ou plus tard, hein. Ouais. C'était rapide. Ok. À des fois, faut faire gaffe parce qu'il y a des vendeurs qui refusent d'envoyer à l'étranger. Ouais, tu peux tomber sur des bonnes occasions et puis t'achètes et puis tu peux pas. Enfin, je sais pas s'il y a une option d'achat sur Vinted pour ça, justement. Les acheteurs frontaliers. Il y a eu des ventes comme ça déjà? Oh fuck. C'est moi qui me les coltine. Ah, c'est 8.
Voilà. Demandez votre ordre et acceptez. Ah bah c'est cool. C'est cool. Et du coup t'as acheté une PS3, tu te refais les petits trucs dessus. T'as bien raison. Je sais pas s'ils se rechargent ou quoi, mais ils sont casse-couilles. Singularité. Ouais, ça a l'air bien cool, ouais. Ça l'est. Ça l'est. Ça va être pas mal. Le First Light est un peu cher. Je l'ai payé une vingtaine d'euros, je crois. Et les premiers Infamous, je les ai quasiment pas payés grand chose quoi. Moi j'ai dû payer 10 balles les deux. 10 ou 15 balles les deux. €5 chacun, ouais. C'est le prix, ça vaut pas. Ça vaut pas excessivement cher. Coucou. Ah, les trésors. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Et si on foutait le camp? T'approche pas de moi. Dégage. J'ai pas peur d'une camée. Ah!
sale garce. Punir. J'aurais vraiment dû te tuer direct. Bren, t'es mort. Je l'ai pas dit. C'est toi. Là, cette tête de psychopathe qu'elle a. Elle fait flipper. Oh. Ah bah là on est sûr que... Tout ça pour le tuer, sans le faire souffrir. Ah du coup t'auras vu la fin, je pense, Pilo. Ce qui m'emmène. GG. Merci. Merci Pilo. Ouais, c'était rapide, ouais. En deux streams. En deux streams. On peut pas le skipper. Merde. Ouais, c'était assez rapide. Hein.
Vengeance accomplie. Ça y est. Fetch a laissé libre cours à sa rage pour devenir une véritable tueuse. Oh yeah. Vous avez déchaîné de nouveaux pouvoirs en elle. Pour les obtenir, repoussez vos limites dans les arènes de combat. Pourquoi vous arrêtez là? Si vous possédez le jeu Infamous Second Son, vous pourrez incarner Delsin dans ces arènes. Voyez combien de temps vous pourrez tenir. Inscrivez des records, blabla. Les pouvoirs déchaînés sont désormais disponibles à l'achat. Ah ouais! Vous avez déverrouillé les missions de survie alpha et prise d'otage bêta. Ça, les défis, on les fera à la fin, je pense, non? Je crois que ça ramène quand même des Sucker Punch. Des Sucker Point. Des Sucker Point. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les arènes? On va dans le mode libre. Vous voulez vraiment sauter ici? Ah ouais. On va voir les améliorations. Nécessite concentration étendue. D'accord. Et ben on va aller à la recherche de SP. On va aller dans le mode libre. On va regarder les trophées. On va voir ce qu'on peut faire. Niveau 54 pour Pilo. GG level up. Alors, paré. Terminer le mode histoire. Ok. Collecter les flux lumineux. Je vais regarder un truc. Regarder un truc sur le film. Ouais, je pense que je vais précharger Lost Ark. Je sais pas si ça va aller avec le stream. Ajouter un raccourci bourreau dans le menu démarrer. 70 Go. Passe disponible 29 Go. Ouais, je vais désinstaller Sea of Thieves. Alors je branche mon autre truc. Ouais. Je pense que je vais écourter le stream maintenant. Je vais essayer de brancher mon deuxième disque dur et je vais charger Lost Ark dessus. On va voir ce que ça va. Merci d'être passé, Pilo. Je te fais des bisous. Je te souhaite une bonne soirée. Je sais pas si je vais rester sur. Ouais, si le temps que ça charge, peut-être. Bonne soirée, Pilo. Et bisous. Ciao.